Mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Le groupe Zamaza de Consanquit voudrait vivre avec vous une page de l'histoire glorieuse des bois. En 1915, en dépit de la grande famine de 1913-14 qui avait sérieusement affaibli les populations du bois tout, le colonisateur, dis-je, soumet ses colonies à un effort de guerre sans précédent. Parce que chez lui, là-bas, sévissait sa guerre, dite guerre mondiale, 1914-1918. Des cotisations en nature furent exigées, telles que le mil, arachide, coton, miel, sève de liane goïne et même du bois de chauffe. Tous les jours, de lugubres cortèges de porteurs allaient de partout les sentiers du bois tout. Ils sont morts, oui, nos parents. Ils sont morts par dizaines, par vingtaines, voire par centaines le long des chemins. Qui de faim et de soif, qui de fatigue, qui sous les coups répétés des gardes à la chéchia rouge. Faut maman, stop. Novembre 1915 à Boura, un petit village de l'actuel Burkina Faso. Ce matin donc, comme d'habitude, le français, le colon, avait réduit les populations du bois tout pour refaire la route Bobo Dioulasso sans via Dédougo, Nona, Kivasso, Benena, Tomia. Parmi les femmes requise à la corvée d'eau qu'il fallait aller chercher à 2 km, il y avait une certaine Séné Koulibaly de Boura. Séné était en grossesse arrivée à terme. Des travaux se poursuivirent jusqu'à la tombée du jour. Vers 15h, Séné Koulibaly, sentant des maux de ventre, alla trouver le garde à la maison Diarra, chargé de surveiller les travailleurs. Elle lui dit, s'il vous plaît, donnez-moi la permission de rentrer au village afin de me faire assister par une vieille femme accoucheuse traditionnelle. Mais Séné Koulibaly reçut pour toute réponse un violent coup de cravate qui l'envoya à retourner au travail. Vers 16h, Séné Koulibaly mis au monde son premier-né, un beau garçon, au vu et au su de tout le monde. Séné Koulibaly, prenant alors son bébé encore tout couvert de sang dans ses bras, s'adressa au bois en disant ceci. Vaillant homme du bois tout, que moi, Séné Koulibaly, je survive ou pas, que mon enfant, que voici survive ou pas, je le nomme désormais Yambé.
Et en veut veut dire chef de guerre. La voix présente sur le chantier comprit le message de Terrain Koulibaly. Il se ruait sur Alame Sodiara et le couchait sur le terrain, tout baigné dans son sang. Une délégation de 5 personnes est aussitôt constituée pour aller faire le compte-rendu au chef du village de Boura, qui se nommait alors Perrinchier Koulibaly. Lorsque Perrinchier eut écouté les vaillants travailleurs, il dit ceci. Bravo mes enfants, vous êtes dignes de nous. Je vous dis que votre mission ne fait que commencer. Retournez sur le chantier. Coupez à ce renégat les oreilles. Coupez-lui les membres. Ôtez-lui ses habits. Faites deux groupes et parcourez tous les villages du Chieti. Arrivez dans ce village, sonnez du corps. Et lorsque les gens seront rassemblés, dites-leur ceci. À partir d'aujourd'hui, nous bois avons vaincu l'autorité blanche. À partir d'aujourd'hui, les Blancs ne nous commanderont plus. Alors, unissons-nous et défendons la terre de nos ancêtres. Cette guerre de libération, nommée dédaigneusement par les Blancs, révolte des bobos, révolte entre nous, contre qui et contre quoi et pourquoi? Cette guerre de libération, commencée par les seuls travailleurs du chantier le 23 novembre 1915, regroupait 30 000 combattants le 26 novembre. Le 29 novembre, ils étaient 50 000. Et à la mi-décembre, ils étaient 92 000 combattants venus de tout le Boitou. Le Boitou de Sibougou à Bobo-Dioulasso et de Sofara à Kari au sud. Nous ne pouvons parler de cette guerre de libération sans invoquer ici d'illustres noms. Nous parlons de Laï Adama Dembélé de Koula. Koula Laï Demre, Wabel O Demre, Demre De, Chabla Boyoni Pepe Yaro, Chama Tien Yaro, Ali Hua Zahoso Nuto Tchou. Faux! Maman, frère! Papa Dembélé de Tchoutchou. Tchoutchou, papa Dembélé. Faut m'en parler. Tchoutchou, la boyeur, yadou, siya, wadou, boyeur, siya, oui, ben, yadou. Tchoutchou, tiens, yadou. Asi, yidou, a chaza, 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 a Thank you.
le premier choc entre combattants bois et troupes françaises eut lieu le 27 décembre 1915 à Bénina. Ce jour-là, le petit poste militaire gardé par une trentaine d'hommes fut pris d'assaut et complètement pris. Après Bénina, le choc suivant eut lieu le 9 janvier 1916 à Savara, près de Mandiakui. Pour une fois encore, nos combattants bois mirent les troupes françaises en déroute. Arriva alors la grande bataille du 4 mars 1916, dite la bataille de Tomignan. Ce jour-là à Tomignan, le bataillon de 100 hommes, parqué sur ce que nous appelons aujourd'hui la colline des anciens combattants, fut assailli par des milliers de combattants bois. Ce jour-là, le représentant du pouvoir blanc, le chef de canton, méchant et téméraire, fut pris et abattu avec des casse-têtes. Ce jour-là, le lieutenant français qui commandait les troupes françaises fut pris et abattu. À Tomignan, vous trouvez encore aujourd'hui cette place que nous appelons la place des souvenirs, témoignage de la bravoure de nos combattants. C'est alors que les combattants bois décidèrent de marcher sur le sang, car effectivement, à l'époque, il résidait à Sang un certain André Ponzo, administrateur des colonies indigènes. Il fallait prendre cet administrateur pour vaincre complètement l'autorité blanche. La rencontre eut lieu le 1er mai 1916 à Cienceau, tout près. Le choc fut brutal, meurtrier, acharné. Malgré ce jour-là, l'intervention du canon 80, le combattant mit encore les Français en déroute. Rendez-vous fut pris pour le 14 juillet, cette fois-ci par la plaine de Tineni. Le 13 au soir, ils vinrent par milliers de tout le Boitoun, ils vinrent du Tietoun, ils vinrent du Popora, ils vinrent du Siantoun, du Kakoutoun, du Douetoun, du Ventoun, ils vinrent du Paratoun, du Kodougou et du Dadougou. Ce jour-là, les Minyanka, conduits par les Yesogoba de Karangasso, se joignirent à nos combattants. Les Dogons, conduits par Tomokojo, se joignirent à nos combattants. Alors, prévenu notamment par on ne sait qui, M. André Ponzo envoya au gouverneur général un message ainsi libellé. Monsieur le gouverneur général, la situation est critique. Le poste de sang est en danger. Les bobos vont bientôt passer à l'attaque. Ils sont aux environs du poste par milliers et par milliers. Envoyez des renforts et encore des renforts. Il faut reconnaître que de toutes les récoltes que nous avons eues à vivre sur le champ, la révolte des bois, des bobos est la plus tenace. Voilà 9 mois qu'elle perdure, causant parmi nos hommes beaucoup de victimes. Les combattants bois sont d'un courage inqualifiable. Ils préfèrent se tuer ou bien se tuer entre eux-mêmes que de se rendre. Envoyer des renforts. Comme un renfort, il en arriva de toutes les garnisons du territoire. Alors, ce jour-là, les 15, 16, 17 et 18 juillet, à Koro, les militaires français utilisaient pour la première fois, en plus des fusils d'assaut et du canon 80, utilisaient la mitraillette et les grenades offensives. Nous recevions partout une pluie de balles, dira plus tard un vieux rescapé de cette boucherie barbare. Koro, dernière étape, selon le français, de la lutte de libération. Sama de la ripa tene, ay, alabo,
Français, c'était la dernière étape. Voici à ce propos un commentaire d'un chef de guerre français à monsieur le gouverneur général. Monsieur le gouverneur général, avons l'honneur et la joie de vous apprendre que les 15, 16, 17 et 18 juillet 1916 avons complètement menté et maîtrisé la révolte des bobos, ce peuple sauvage et barbare. Les quelques rescapés qui vivaient en brousse tentent de regagner leur village tout en ruine où ils ne mèneront plus qu'une vie d'animaux sauvages, prêts à fuir au moindre bruit. Mais c'était sans compter avec le courage et la détermination des bois. Le 20 août 1916, un autre digne fils du Watu, papa Dembélé de Tchoukio, reprit la lutte. À son appel, les combattants bois arrivaient de partout et rallièrent Tchoukio. Mais hélas, prévenu, il ne sait pas qui. Cette fois-ci, le colon envoya à Tchoukio toute une compagnie armée jusqu'aux dents. Ce matin donc, du 20 août 1916, très tôt, Tchoukio fut entouré à coups de canon 80, de mitraillettes, de fusils d'assaut et de grenades offensives, le village fut détruit. Les chefs de guerre, tels que Adama Dembélé, Zou Kone de Benena, Bahari Dako, Bazani Tera, Papa Dembélé, Zie Sogoba et Tomokoyo furent pris, capturés, amenés à sang. Ont-ils été passés par les armes? Ont-ils été déportés? Jusqu'à l'heure où je vous parle, nul ne le sait. C'est alors que le Français entreprit de désarmer le Boitou. 8000 fusils furent récupérés. 7000 arcs furent récupérés. 14500 carquois, 230 000 flèches et 300 lances de guerre. Les opérations militaires sur le terrain ont fait des milliers de victimes parmi nos combattants et parmi la population civile, hommes, femmes, vieux, jeunes et enfants. Mesdames, messieurs, si aujourd'hui nous lisons ensemble cette page glorieuse de notre passé, dans la mouvance de présence bois Nimi, je voudrais à cette occasion m'adresser au bureau, aux membres du bureau de Nimi. Madame Koné, Agnès Dembélé, soyez dans Nimi, cet éternel Koulibaly de Boura. Tous les membres du bureau, soyez des Bazani Tera, soyez des Adama Dembélé, soyez des Bakari Dako, des Papa Dembélé, des Zie Sogoba et des Tomokoyo. Et alors, tout le Boitou, hommes, femmes, jeunes, vieux et enfants, nous serons les combattants d'antan. Nous allons combattre ensemble, aujourd'hui, contre qui? L'ennemi commun que j'appelle sous-développement, pauvreté et misère et exclusion. Mais cela ne peut se faire que si nous reconnaissons notre entité beau. Le beau est intègre, il est sobre, il est honnête, il est courageux. Quand le beau dit oui, c'est oui. Lorsqu'il dit non, c'est non. Wani boa abun, le beau nous dit le haut, le beau nous dit le hé, amuna. Alors, présence, voix Nimi.
Ensemble, reconnaissons notre entité. C'était combattu, mais noble. Le combat ne peut se faire que si nous reconnaissons vos et si nous cultivons notre. Disons, comme si vous le permettez, cultivons notre culture. Il faut cultiver son jardin. Et avec joie, avec enthousiasme, d'accord en cela avec cet autre qui disait que ne fit-on que des épingles, il faut avoir l'enthousiasme de son métier pour y exceller. Je vous l'ai dit, oui, peuple du Poitou, soyons fiers de notre culture, car les peuples sans culture sont appelés à disparaître, phagocytés par les autres qui ont su valoriser et perpétrer les leurs. Merci. Lo ami bala batosa lo bevo apoto se ma to badena wani bala batosa Roboto si ama pela pena. Quando a dor vai doza, se a roba, a dor vai doza. Aya ilo me doza, o azar o vivo. Roboto si ama moço a para. Aya ilo vai doza, se a roba. Lo ve susurre.